Amen. Dans notre dernière présentation, nous avons regardé à la nature de l'homme. Elle est triple, cette nature. Nous avons vu que l'homme est spirituel, essentiellement pas que physique. Le physique, c'est la maison où on vit, dans laquelle on vit. Mais dès qu'on manipule, une fois qu'on manipule le corps humain, par la mutation ADN, nous commençons à affecter le spirituel. Nous savons que ce n'est pas la seule cause de nous causer des dommages, du tort. Ce n'est pas quelque chose qui vient sur nous. Nous pouvons faire aussi quelque chose qui nous nuit. C'est un exemple. Le refus délibéré de la vérité affecte notre spiritualité. Nous comprenons tout cela. Et ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec nos sens, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on regarde. Nous devons regarder avec ces deux points. Ensuite, nous avons vu que la nature en triple et physique, mentale et morale. Nous avons vu également que l'être humain peut être divisé en deux parties. On va le mettre de l'autre côté. C'est les puissances supérieures et inférieures. Donc la puissance inférieure et la puissance supérieure. Ensuite, j'ai expliqué que même si que c'est le physique, ce n'est pas nos corps, nos membres physiques, c'est en fait, c'est les passions au pouvoir inférieur, la colère, l'appétit, les convoitises, toutes ces émotions que nous ressentons, ils ont leur siège dans le corps physique. C'est pour cela qu'elle utilise Ellen White souvent le physique, où Paul va dire la chair. C'est comme si vous êtes le corps humain, mais ça ne fait pas référence au corps humain. Et Ellen White l'explique bien. Ensuite, nous avons lu des citations qui parlent des puissances inférieures et supérieures, et Jésus ne va pas partager le trône avec quelqu'un d'autre. Il a un trône indivisible, et c'est ce dessin-là. Ces passions inférieures ont leur siège dans le corps physique, et souvent elles sont représentées par le corps. Tout où là où se trouvent toutes nos émotions sont là. Mais ce n'est pas, Dieu l'a mis comme le corps, mais ce n'est pas le corps physique. Tout cela est une parabole, ce n'est pas du littéral. Ce n'est pas le corps littéral, c'est le symbole. Donc Christ ici, là, ne va pas partager ce trône avec ce cœur. Nous avons lu que les puissances inférieures ne vont pas se soumettre d'elles-mêmes à la passion supérieure. Ensuite, nous avons lu que dans cet exemple, ce n'est pas le seul, mais dans ce contexte, si on mange de la viande, on a des propensions animales à un tel degré que ce n'est pas la puissance qui va. C'est les puissances inférieures qui vont contrôler les puissances supérieures. Donc les puissances inférieures vont contrôler les puissances supérieures. Et on a vu que ce modèle de trône, le cœur et Christ, c'est le même modèle qui est décrit dans Romains 7. Romains 7
Ce n'est pas le trône, le cœur, mais c'est le contexte du mariage. Et dans ce contexte, le trône, c'est la femme, c'est nous. Le cœur, c'est le mari avec lequel nous sommes mariés ou que nous pourrons appeler l'ancien homme du péché. Et Christ ne va pas vous marier, se marier avec vous si vous êtes toujours marié à cet homme, à vos péchés, ou pour l'exprimer dans le contexte dans lequel nous sommes, avec quand les puissances inférieures ont le contrôle sur les puissances supérieures. Donc Christ ne va pas se marier avec vous, donc il faut que les puissances inférieures soient soumises aux puissances supérieures. Vous comprenez cela? Et quand cela se passe, alors l'homme ancien ou le péché meurt, et à ce moment-là, les puissances inférieures sont soumises aux puissances supérieures. Et là, à ce moment-là, Christ peut s'asseoir et tout contrôler. Et là, c'est bon. Et c'est là que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, retournons dans le passage qu'on a lu. C'était Foyer chrétien 127 en anglais et c'était 120 en français. La chair en elle-même ne peut pas agir contrairement à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas la possibilité d'agir ou de faire les choses, les puissances inférieures, contraires à la volonté de Dieu. Si on n'avait pas lu que ces puissances inférieures, si vous les endommagez, si vous leur permettez de prendre contrôle de la situation, elles vont contrôler les puissances supérieures. Et Christ ne pourra pas résider en vous. Il va se retirer. Et vous aurez qu'une personne sur le trône qui sera le cœur et qui sera les puissances inférieures. La chair en elle-même ne peut pas agir contrairement à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'il a le siège dans son entièreté. Il veut qu'on prospère, qu'on soit en bonne santé. Donc alors comment ce cœur prend le contrôle des puissances supérieures, partage le trône avec Christ à un niveau, mais dans un autre niveau, il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut faire. Et c'est là que nous avons fini la dernière fois, vous vous souvenez? Donc, juste pour résumer ce que je suis en train de dire, on lit à partir de Foyer chrétien 120, donc ma compréhension de ce passage, les passions inférieures ne peuvent pas faire quoi que ce soit, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles sont assises là et elles crient pour que quelque chose change. Elle crie pour que votre doigt puisse prendre le biscuit et le mettre dans votre bouche. Mais elles n'ont aucune capacité de faire quoi? Elles n'ont aucune capacité de dire, de commander votre doigt pour faire cette œuvre. Elles n'ont pas de volonté, elles n'ont pas de capacité d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Elles ne peuvent pas non plus dire à votre doigt de faire ce qu'elles veulent. Donc, quand je dis « elles », c'est les passions inférieures. Elles n'ont aucune possibilité de faire que votre œil regarde à quelque chose que vous ne devriez pas. Ce que nous avons lu, mais par contre, on a lu qu'elles prennent le contrôle des puissances supérieures. Alors, essayons d'aborder ce sujet.
Et si nous voyons une nature triple et une nature double, donc inférieure et supérieure, ces puissances, elles étaient trois, on les met à deux. Donc elles sont divisées en deux sections. Vous avez les puissances inférieures et les puissances supérieures. Ou bien c'est divisé par le physique, mental et moral. Donc, alors, inférieur et supérieur pour moral et supérieur 2 pour mental. Donc, la triple nature a été divisée en deux, puissance supérieure et inférieure. Donc, maintenant, l'esprit de prophétie nous permet de comprendre ce schéma. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Il y a beaucoup de citations et ce que je vais suggérer, je ne recommande pas les compilations, mais celle-ci est bonne. Je crois que c'est en deux ou trois volumes. C'est pour un bon équilibre, équilibre mental et spirituel. C'est une très bonne compilation. Le volume 2. Et vous allez au chapitre 56. En anglais. Mais avant de faire ça, on ira dans le livre éducation. Alors, EMS 2, 679.1 en français. Éducation 321.1. Chaque enfant devrait comprendre la véritable force de la volonté. Il devrait être amené à voir l'importance de la responsabilité qu'implique ce don. La volonté est la puissance qui gouverne dans la nature de l'homme. On s'arrête là. On parle de la nature de l'homme qui est en trois parties, physique, morale, mentale et morale. Ensuite, on a vu qu'on la sépare en deux, puissance inférieure et puissance supérieure. Les puissances supérieures sont en deux parties, morale et mentale. Nous avons vu que les puissances inférieures ne peuvent pas d'elles-mêmes prendre le contrôle de la situation. Elles ne peuvent pas vous dicter ce que vous devez faire ou pas. Mais c'est la volonté de Dieu que les puissances inférieures soient en soumission aux puissances supérieures. Si vous ne prenez pas contrôle de votre situation, de vous-même, de votre environnement, il vous faut être au contrôle. Donc, alors, c'est les puissances inférieures qui prendront la tendance et seront en contrôle. Mais le fait d'être en contrôle ne signifie pas qu'elles ont la capacité de faire quoi que ce soit. Donc, nous avons lu ici que la volonté est la puissance qui gouverne dans la nature de l'homme, la puissance de décision du soi, qui gouverne suprêmement. Et c'est là qu'on a l'idée de la gouvernement, la puissance qui gouverne suprêmement. Ce qu'on va voir, c'est que ces puissances supérieures en deux sections, ce côté moral, en d'autres termes, c'est la volonté. Avant d'avancer avec la volonté, on va rester un peu sur le mental. Ce que je vais dire, c'est votre capacité de rassembler les informations, de comprendre les informations,
d'avoir la connaissance, mais aussi ou d'enlever de votre mémoire, d'enlever ou de mémoriser les informations, pardon. Pour moi-même, ce que je vais conceptualiser l'esprit, c'est comme une librairie, comme une bibliothèque. Sur le mur, vous avez toute une étagère de livres. Tous contiennent des informations, de la connaissance. Et vous allez dans la librairie, et ce ne sont pas tous les livres qui sont bien. Parce que vous ne savez pas comment traiter l'information. Vous avez besoin de l'aide de qui? D'un bibliothécaire. Donc, dans mon esprit, je le conceptualise, le mental, les puissances mentales ou l'esprit comme étant être une bibliothèque, un bibliothécaire. Il va vous diriger vers où aller prendre l'information. Et comme ça, vous avez l'information. Donc, tout cela, là, c'est que des informations. Et le physique, c'est vos émotions. Et ensuite, vous avez la volonté. Et j'espère que c'est... comprenez, voilà. Donc, il nous faut comprendre la volonté, la puissance qui gouverne la nature de l'homme. La volonté est vraiment ce qui est le plus mal compris de la nature de l'être humain. Et la raison, c'est parce que quand vous tendez la main pour prendre le biscuit, vous le prenez et les gens ils vous disent « Mais pourquoi tu as pris le biscuit ?» Tu vas dire « Mais moi, je m'en suis pas. Ça s'est juste passé, je peux pas m'en empêcher. » Ou bien vous allez discuter... Et vous allez être agressif. Et on va dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais dis, mais c'était pas ma faute, ça s'est juste passé comme ça. Ou c'était un accident. Je ne voulais pas m'énerver. Et c'est ce qu'Ellen White dit. Depuis l'enfance, on aurait dû nous apprendre cela, de comprendre ce qu'est la volonté. Parce que lorsqu'on sera adulte, on ne pourrait pas donner cette excuse. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, on ne pourrait plus dire ça. Il nous faut comprendre la véritable force de la volonté. Et la volonté est la puissance qui gouverne la nature de l'homme, la puissance de décision ou du choix. Donc, la volonté, c'est le choix ou la décision. Est-ce qu'il y a une fois dans votre vie où vous ne pouvez pas prendre de décision? Si je vous dis, vous êtes ici et on va séparer la salle en deux groupes. Je dis à mon frère, choisis dans quel groupe tu veux aller. Et il est là, il se tient debout. Est-ce qu'il a le choix? Tout le monde peut voir qu'il est il a fait un choix, alors il n'a rien fait. Et il fait toujours, quelle que soit la circonstance dans laquelle on se trouve, après chaque moment, durant la journée, nous sommes face à des milliers de décisions à prendre. Et dans chacune de ces balises, chacun de ces points, il nous faut nous décider de ce qu'on va faire. Et qui va prendre cette décision? C'est la volonté. Est-ce que les puissances inférieures qui vont prendre la décision? Non, elles ne peuvent pas. Parce qu'elles n'ont aucune capacité d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Est-ce qu'un bibliothécaire... Est-ce que tous ces livres peuvent le faire pour vous? Non. C'est la volonté, qui est la puissance qui gouverne dans l'être humain, qui prend la décision. Et elle contrôle tout, la volonté. Mais
Parce qu'elle dit, il vous faut comprendre cela. On fait tous la même chose, on donne des excuses. Pourquoi tu dis des choses de cette façon? Pourquoi tu as juré? Pourquoi tu t'es mis en colère? Mais on va répondre, les paroles sont juste sorties de ma bouche. Et si elles sont juste sorties de ta bouche et que ta bouche est ton corps, un membre, alors qu'est-ce qui siège dans le corps? C'est les puissances inférieures. Donc tu es en train de dire que ces puissances inférieures ont fait que ma bouche parle contrairement à la volonté de Dieu. Et nous savons que ça ne peut pas être le cas. Donc, qu'est-ce que vos puissances inférieures qui ont leur siège dans le cœur doivent faire en premier pour que votre bouche, elle se ouvre? Elles doivent volonté, dis, fais que la bouche dise ce que je veux dire. J'ai envie de dire quelque chose de méchant. Je veux être grossier. Donc, je ne veux pas que ça se passe. Alors, la volonté, elle va dire la volonté. Mais tu es tout le temps en train de me mettre la pression. Et la volonté est tellement affaiblie. Et le libraire vous dit, va volonté. Si tu n'avais pas mangé la viande hier, ce matin, vous n'aurez pas autant ces propensions animales. Et les puissances inférieures n'auraient pas eu autant de puissance sur vous. Elles auraient été plus affaiblies. Elles seraient atrophiées. Par un manque d'utilisation. Mais comme tu es tout le temps en train de nourrir ces puissances inférieures, tu seras vraiment en problème. Ils vont toujours te mettre la pression pour te forcer à faire des choses. Tu fais ces choses, c'est parce que tu es faible en fin de compte. Elle n'a pas la possibilité d'aller vers la volonté, les puissances inférieures. Donc chaque être humain doté de raison a le pouvoir de choisir ce qui est bien. Dans chaque expérience de vie, la parole de Dieu pour nous est choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc la bibliothèque que vous avez visitée vous dit que le porc est très bon. Il n'y a pas de cholestérol, pas beaucoup de graisse. Donc ça, c'est votre base de connaissance. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à manger de la viande. Donc chaque être humain doté de raison a le pouvoir de choisir le droit à ce qui est bon. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, choisissez qui vous voulez choisir. Donc, si vous n'avez pas de connaissance, donc vous ne savez pas ce qui est bon ou mauvais, donc il vous faut cette information, cette database. Parce que ce que vous pensez être juste parfois, finit par être mauvais. Il vous faut réfléchir à ce point. On va en parler plus tard de cela dans l'étude du scellement. C'est un affermissement intellectuel et spirituel qui devrait être là. Vous voyez, on doit être scellé des deux côtés, physiquement, intellectuellement et physiquement et spirituellement. Si on n'a pas la vérité, on ne peut pas faire les bonnes décisions. Cette volonté, c'est elle qui gouverne. Et le gouverneur, c'est celui qui gouverne le chef. Est-ce que cette volonté fait partie de vous ou elle fait partie de Dieu? Est-ce un don qu'il vous a donné? C'est le cas? Est-ce que ton doigt, c'est un don que Dieu t'a donné ou c'est toi, fait partie de toi?
Est-ce que ton appétit, c'est un don que Dieu te l'a donné, t'a donné, ou ça fait partie de toi? Je dirais que c'est pas un don, je dirais que c'est vous. Si vous mettez tout cela ensemble, il vous a mis ensemble. Et il a mis toutes ces pièces ensemble et il a dit, c'est vous maintenant. Donc, vous avez un enfant et le parent est là et c'est son anniversaire. Vous lui donnez quelque chose. Donc, c'est un don que vous donnez. C'est un cadeau, c'est pas eux. Qu'est-ce que le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Je vais le mettre de cette façon. Quand vous mourrez, pourquoi? Est-ce que c'est un cadeau que vous avez, un don de quelqu'un? Non. C'est votre salaire. C'était votre droit de recevoir cela. Donc, la récompense n'est pas un cadeau, n'est-ce pas? Un don ou récompense ne fait pas partie de vous, vous ne méritez pas. Mais quelqu'un vous dit, je vous le donne, comme une faveur. Mais je ne pense pas que quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas donné de faveur. Il a dit, je crée cet être humain. Et quand il a créé, qu'est-ce qu'il doit créer à l'intérieur? Sa propre image quand il crée quelque chose. Est-ce que la fleur est créée à l'image de Dieu? Est-ce que la fleur est créée à l'image de Dieu? Les étoiles, le soleil, lune sont-ils créés à l'image de Dieu? Alors comment peuvent-ils décrire sa gloire si ce n'est pas le cas? Comment ils peuvent être une représentation de qui est Dieu? Parce que on dit que c'est une représentation de sa gloire. Alors comment peut-il être une gloire si c'est pas créé à son image d'une certaine façon? Ça doit être le cas. Tout ce que Dieu a créé doit être créé selon son image. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a créé qui est à ce même degré. Il peut créer des choses inanimées ou des choses animées. La chose animée, c'est l'homme. L'homme a été créé comme... Alors, les anges sont plus grands que l'homme ou pas? C'est toujours l'homme. Parce que l'homme doit grandir. Quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé dans une phase tout à fait terminée. Est-ce qu'il l'a créé parfait? Est-ce qu'il est totalement mature? Non. Est-ce qu'il a atteint le niveau ultime de son existence? Non. Quand Dieu a créé l'homme, quel était le travail de Lucifer? Il lui était pas permis de faire partie de la création, n'est-ce pas? C'était quoi son travail? Il était l'ange au plus haut niveau. Et maintenant, il devait être un tuteur ou un enseignant. Pour qui? Pour l'humanité. Il doit enseigner ces jeunes personnes à être ce qu'il doit être. Et quand cet homme va arriver à maturité, il sera l'homme, pas le... Et ça l'a vraiment mis en colère, Lucifer. Et ça nous met aussi en colère aussi. Donc, ce que je veux que vous voyez, c'est que l'homme est l'image ultime de la création de Dieu, mais aussi les animaux aussi. Parce que sur cette terre seulement, on est capable.
d'avoir des enfants, de nous reproduire. Mais les animaux aussi sont une bonne représentation de l'image de Dieu aussi. Par définition, ça doit être comme ça. Certaines sont une bonne représentation et d'autres, c'est des représentations plus faibles, comme la fleur. Nous avons un problème parce que nous avons des ivraies, des épines, etc. On ne va pas dans ce point-là. La question que j'aimerais poser, si on a la volonté, est-ce qu'on a une volonté indépendante de celle de Dieu? Oui, oui, on doit avoir une volonté indépendante de celle de Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec le choix. Faire ce que vous avez une volonté libre. Vous faites ce que vous voulez. Donc, par définition, votre volonté est indépendante de celle de Dieu. Mais quel est le problème avec notre volonté? Le problème. Il n'y a aucun problème. Elle fonctionne bien parce que vous l'utilisez 1000 fois par jour. Le problème avec l'être humain, ce n'est pas la volonté. Qu'est-ce que c'est? C'est les passions inférieures. Quand les passions inférieures commencent à mettre la pression sur la volonté pour que la volonté fasse ce qu'elles veulent, ce que les passions inférieures veulent. Alors, si votre enfant est sous pression, quelle que soit la façon dont vous l'exprimez, vous devez lui dire, ben, vous devez vous mettre debout pour vous-même. Et vous devez dire à votre enfant de se mettre debout et de ne pas accepter la pression. Et c'est ce qu'il nous faut faire comprendre. Ce qu'est la volonté, comment elle fonctionne et sa véritable fonction. Et quand nous comprenons cela, alors la volonté peut faire fonctionner correctement, de faire de bons choix et non pas être sous pression. Est-ce que vous pouvez voir cela? Donc la volonté est votre et vous faites ce que vous faites, vous voulez avec. Nous avons parlé de la consommation de viande. Donc, nous sommes tous adventistes, on ne mange pas de porc. Vous avez arrêté de manger du porc il y a des années, peut-être. Vous ne mangez pas du porc de votre propre volonté, de votre propre volonté, force, ou c'est Dieu qui vous donne cette force? Mon frère a dit dans la force de Dieu. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? La raison pour laquelle vous ne mangez pas de porc, c'est parce que Dieu vous a donné la force de ne pas manger du porc. Oui? Il y a des personnes qui sont en désaccord avec ça. Et je ne sais pas combien d'adventistes il y a dans le monde, peut-être 17 millions, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup plus de personnes végétariennes qu'il y a d'adventistes. Et la grande majorité... Ce végétarien n'adore pas Dieu et ces personnes, elles ne mangent pas de porc. Alors, avec quelle force elles font cela? Leur propre force ou la force de Dieu? Donc, elles peuvent gérer le fait de ne pas manger de viande avec leur propre force. Pourquoi on ne peut pas dire « je ne veux pas manger de porc » et d'arrêter? Nous pouvons, nous avons suffisamment de puissance. C'est la puissance gouvernante qui nous dit à ton bras ne pas prendre la viande. Si nous avons la bonne information, vous savez que le porc a beaucoup de problèmes. Donc, vous ne le faites pas. C'est du bon sens. Et vous pouvez faire cela de votre propre force, oui? Vous êtes d'accord avec ça? Je parle des hommes, aux hommes.
Est-ce que vous pouvez arrêter de commettre l'adultère de votre propre force ou vous avez besoin de la force de Dieu? Si vous voulez qu'il y ait un dialogue, il faut parler fort, sinon on ne peut pas. On sait que Dieu ne veut pas ça. Donc, on fait le choix de ne pas manger le porc. Donc, je vais dire, tu as la puissance avant, mais tu n'avais pas l'information avant. Quand, une fois que tu as l'info, tu peux l'avoir de Google ou de la Bible. De la Bible ou de Google, mais Google va t'expliquer la raison, mais la Bible ne va pas te l'expliquer. Elle va te dire, la Bible, voici la meilleure voie à suivre. Donc je dis, ok, ça, le mental, c'est l'information. Donc tu as l'information d'où tu la prends où tu veux. Donc tu vas chez Google. Donc tu as le risque d'avoir une bonne ou une mauvaise information. Et ensuite, tu as une décision à prendre basée sur l'information que tu as reçue. Et tu as la puissance sans l'information. Alors comment on tue cette habitude pour remporter la victoire sur le péché? Si tu penses que vaincre une habitude, il te faut la force de Dieu, ça veut, il faut que tu montres dans le monde que même aucun athée ne peut vaincre leur habitude. Et pourtant, de leur propre force et de leur propre volonté, ces personnes athées arrivent à ne plus fumer. Et quand les puissances inférieures ne contrôlent plus la volonté et deviennent affaiblies et arrêtent de fumer de leur propre force, les habitudes sont vraiment une partie importante pour que Dieu nous aide à nous débarrasser du péché aussi, pas du péché. Alors comment expliquer, on a une vie habituelle, on ne pêche pas et subitement après on pêche. Comment on explique ça? Et par exemple, Moïse, pendant des années, il n'a pas cédé à la colère et à un moment, il a péché. Donc, les habitudes, ce n'est pas la vraie solution de l'évangile. C'est que les habitudes dans lesquelles nous sommes entrés, on peut les enlever aussi. Parce que c'est une période de temps des habitudes pour qu'elles s'installent. Je comprends le sujet des habitudes. Mais ce n'est pas en opposition avec tout ce que j'ai dit là. Je ne pense pas. Alors, comment on comprend le verset? Je peux faire toutes choses par Jésus qui me fortifie. Donc, ça veut dire que dans ce modèle, on peut faire toutes choses dans notre propre volonté. On va essayer de comprendre quelle est notre part et la part de Dieu. Il faut qu'on arrive à comprendre le miracle et j'essaye de relier ce que tu as dit.
C'est les informations que Christ nous donne. Et ça te permet de savoir ce qui est bien, ce qui est faux. Et ensuite, tu choisis. I think the character is the harvest. So character is? Character is the harvest of life. So a strong character, je pense que c'est le caractère. Is constituted by two things. Il est constitué de deux choses. And self-control. La maîtrise de soi et... God will not send a compelling power unless we involve ourselves. Alors Dieu ne va pas nous donner une puissance à moins que nous on ne s'implique. We are free moral agents. Let's go to the next. Alors lisons la citation qui suit. Alors on regarde. Le paragraphe 2, pour un bon équilibre mental et spirituel, 710, on doit comprendre la véritable force de la volonté. Celui qui est tenté a besoin de comprendre la véritable force de la volonté. C'est la puissance qui gouverne dans la nature de l'homme, la puissance de décision, de choix. Tout dépend de la bonne action de la volonté. Les désirs de bonté et de pureté sont justes dans la mesure où ils continuent, mais si nous nous arrêtons là, ils ne servent à rien. Nombreux sont ceux qui iront à leur perte en espérant et en désirant surmonter leurs mauvaises propensions. Où sont ces mauvaises propensions? Là, dans les puissances inférieures. On peut désirer de les enlever de notre vie. Nous pouvons vouloir... Mais si on ne fait rien à ce sujet, si on ne choisit pas, s'ils ne cèdent pas à notre volonté, à la volonté de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va se passer. Donc, ils ne cèdent pas la volonté à Dieu. Ce que je comprends cette phrase, quand il nous est dit céder la volonté à Dieu, donc elles iront vers les informations pour savoir ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Et vont laisser l'esprit contrôler et dicter ce qu'elles doivent faire ou pas. Elles ne cèdent pas la volonté à Dieu ou à l'instruction de Dieu ou aux exigences de Dieu. Et les instructions de Dieu, c'est dans votre bibliothèque, les informations que vous avez. Quand Dieu dit, vous ne devez pas manger plus de deux fois par jour, donc ce qu'il vous faut faire, c'est d'avoir déjà cette information stockée dans votre bibliothèque. Parce que sinon, vous ne savez pas. Et ensuite, il faut céder cette information. Il faut que vous soumettiez à cette information. Donc, il faut aller vers la volonté qui aille vers l'information que Dieu nous a donnée. Et ils n'ont pas choisi de servir Dieu, mais de choisir de servir les puissances inférieures. Ce n'est pas que la volonté veut, mais la volonté est forcée à la soumission. Et le paragraphe qui suit. Votre volonté est le printemps de toutes vos actions. Pensez à l'eau. C'est le commencement de quelque chose, n'est-ce pas? Si vous pensez... Donc, votre volonté est le printemps de toutes vos actions. Chaque action que vous faites commence où? Dans la volonté. Qui contrôle la volonté? C'est vous la volonté, n'oubliez pas. Qui peut courir 5 km ici? 2 km, 1 km? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut courir un marathon? Ok.
Qui peut courir un marathon? Oh oui, il y a quelques personnes qui peuvent. Donc si vous regardez la science sur le marathon, si je pose la question à ce frère, il va dire, ah non, je ne peux pas faire ça, je suis trop fatigué, je ne suis pas formé, je suis trop vieux, ça ne peut pas se passer. Mais si vous allez, sous un coaching, un bon entraîneur, vous avez besoin de 6 mois facilement, 6 mois pour courir un marathon. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. À moins d'être vraiment malade, vous ne pourrez pas. Mais une personne normale, tout le monde peut courir un marathon. Et si vous demandez à un marathonien, il va vous dire, c'est quoi la force? Tout est dans l'esprit. C'est pas dans l'esprit, mais c'est dans la volonté. C'est pas dans vos jambes, les muscles. C'est la puissance de la volonté. Quand vous pensez à ce que vous êtes capable de faire ou pas, c'est qu'on voit que tout porte sur la volonté. On va lire maintenant à Step to Christ, vers Jésus. Alors, tout ce qu'on a lu là, c'était et pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, la page 710. On a lu 3 paragraphes. Donc, ce livre vers Jésus est un très bon livre, particulièrement quand on veut comprendre la ligne de réforme. 72.1. Nombreux sont ceux qui se demandent comment dois-je faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui. Toutes ces personnes, vous désirez de faire ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Quel est donc votre problème? C'est la faute de qui? Est-ce votre faute? Et qu'est-ce qu'on a lu plutôt? Il vous faut vous enseigner aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants? La véritable force de la volonté. Alors, c'est la faute de qui si l'enfant ne sait rien? C'est la faute des parents. Donc, vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible en puissance morale, esclave du doute et contrôlé par les habitudes de votre vie de péché. Est-ce que vous êtes vraiment contrôlé par les habitudes de votre vie de péché? Ça ne peut pas être le cas. Vos habitudes sont centrées où? Là, dans les puissances inférieures. Vos puissances inférieures ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas prendre le contrôle. Ils peuvent gouverner votre mental, mais ils ne peuvent pas contrôler votre puissance parce que la volonté, c'est le contrôle, la puissance gouvernante qui gouverne l'être humain. Donc, vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vos impulsions. Non, ce n'est pas là. Mais cette personne-là, elle est sous pression. Et elle vous piège pour être un esclave. Et dit, vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible en puissance morale, esclave du doute. Donc, c'est quoi votre maître? Vous avez vu ça? C'est le doute. Vous êtes esclave du doute. Donc, votre maître, c'est votre doute. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous doutez de quelque chose, ça veut dire quoi? On ne croit pas complètement? Vous ne savez pas ce que ça veut dire, doute? Vous hésitez? Et là, vous devez avoir votre téléphone et regarder la définition. Vous allez sur le dictionnaire Webster ou autre. Le doute, c'est l'incrédulité. Vous ne croyez pas en quelque chose. Donc, beaucoup se demandent comment dois-je faire pour m'abandonner à Dieu?
Alors, comment vous vous abandonnez à Dieu? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut dire à votre volonté, je veux suivre que la volonté suit l'esprit, parce que c'est là où il y a toutes les informations. Vous voulez vous donner à lui, mais vous êtes faible en puissance. Là, c'est là. C'est, vous êtes faible dans le moral, donc vous serez sous pression des. Vous serez aussi esclave du doute. Si vous ne croyez pas que la volonté, c'est la puissance qui gouverne l'être humain, alors ça sera les puissances inférieures si vous ne croyez pas que c'est la volonté. Donc tout cela, c'est sur la déception. Et c'est de la faute de qui que vous avez été piégé? C'est de vos parents. Ça doit être vos parents. Parce que quand vous étiez enfant, ils ne vous ont pas formé comme il fallait. Ils ne vous ont pas informé sur la véritable force de la volonté. Je ne vais pas taper sur vos parents parce que je ne connais pas leur background. Mais ou ça peut être vos pasteurs. Je ne sais pas combien de temps vous avez été adventiste. Peut-être vous êtes juste venu dans le mouvement. Alors, je ne vais pas blâmer le pasteur, je vais blâmer les enseignants. Parce que les enseignants ne voulons pas enseigner. Ils doivent vous enseigner quelque chose. Si je vous dis, quelle est la ligne de réforme la plus importante? Et si je vous connais, et je vais dire, mais comment ça se fait que ton enseignant t'a pas enseigné ça? Je dois me blâmer moi-même. Il vous faut savoir à qui jeter le tort. Et vous allez voir que le blâme n'est pas sur la personne parce que la personne est ignorante et la majorité d'entre nous sommes ignorants. Et Satan, il prend avantage, il tire avantage de cela. Donc, vous êtes esclave du doute et contrôlé par les habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des cordes de sable. C'est une belle image dans l'esprit prophétie. Quand vous allez dehors, on est entouré de sable. Prenez du sable et faites-le couler là. Et vous allez voir, c'est comme une corde de sable. Essayez de la prendre. Eh bien, vous n'avez rien dans la main. Peut-être quelques grains de sable. Et là, c'est vraiment... Vos promesses et vos résolutions sont comme des cordes de sable. C'est quoi ces promesses et résolutions? Qu'est-ce qui prend ces promesses et résolutions? C'est la volonté. Il dit, je vais le faire. Je vais arrêter de crier. Je vais arrêter de manger ce que je ne devrais pas. Je vais essayer de commencer à me réveiller tôt. Je vais commencer à étudier. Je vais faire des efforts. Mais c'est comme des cordes de sable. Mais pourquoi? Est-ce parce que la volonté n'a pas la capacité de le faire? Non. C'est parce que vous avez été trompé. Parce que votre maître... esclave qui est le doute, il vous dit mais non, tu peux pas le faire, ça marche pas. Et après vous abandonnez après un certain temps. Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vos impulsions, vos affections. Là il parle de quoi là? Où se trouvent ces impulsions, affections? Dans les puissances inférieures, vous ne pouvez pas les contrôler. Est-ce que vous pouvez pas les contrôler? Non. Elle dit, vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, vos impulsions, vos affections. Parce qu'elles viennent de plus en plus vite. Vous essayez. Là, on a faim, là. Vous n'allez pas contrôler que votre ventre commence à grogner. C'est bâti dans votre système. Si vous êtes une... Si vous êtes une jeune femme, vous voyez un bel homme, vous ne pouvez pas contrôler ces émotions qui vont venir en vous. Vous allez oublier. Mais à ce moment-là, ces émotions qui viennent, vous ne pouvez rien faire. Mais cela fait partie de ces puissances inférieures qui sont bâties en nous.
Ensuite, la connaissance de vos promesses non tenues et de vos promesses perdues affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et vous fait sentir que Dieu ne peut pas vous accepter. Et voici la condition de quelqu'un qui est dans une relation alliance ancienne. Donc ce sont des ivraies, ce sont des vierges folles, ce sont des faux prophètes. Quel que soit le nom que vous voulez leur donner, ils sont faibles. Quel que soit le mot que vous voulez donner, vous pouvez les appeler païens si vous voulez aussi. Ce sont ces personnes qui se trouvent dans cette condition. Ce qui est unique avec l'ivraie et les vierges folles, c'est qu'elles ont toute l'information là. Elles ont toute l'information. Ensuite, elle dit ça. Mais il ne faut pas vous désespérer. Il ne faut pas désespérer. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est la véritable force de la volonté. Mémorisez cela. Ce qu'il faut comprendre. Comprendre là, c'est dans votre mental. Mettez l'information là. Il vous faut comprendre la véritable force de la volonté. Parce que la volonté, c'est la puissance qui gouverne dans la nature de l'homme, la puissance de décision, de choix. Si vous comprenez cela, alors votre vie sera transformée. Vous êtes encore... On n'est pas encore sauvé, mais votre vie sera transformée. Vous allez vous habiller correctement, vous allez arrêter de jurer, de vous énerver, etc. Vous aurez une vie, une belle vie, si vous suivez ces conseils. Mais ce n'est pas le salut, hein. Alors, tout dépend de la bonne action de la volonté. La puissance de choix que Dieu a donnée aux hommes, c'est à eux de l'exercer, ne va pas faire prendre la décision pour vous, c'est à vous de décider, point. Ce qu'il nous faut comprendre dans la volonté, de la force de la volonté, c'est Dieu qui vous l'a donné, ça fait partie de votre nature. C'est à vous de l'exercer pour faire ce qui est bien. Et quand vous allez à l'école de prophétie, donc vous remplissez votre librairie d'informations. Après, il vous faut agir en fonction de ces informations. Mais on a du mal à le faire parce qu'on est esclave du doute, on ne comprend pas la véritable force de la volonté. Et je l'exprime comme ainsi, on donne des excuses pour notre mauvais comportement. Mais je ne le dis pas pour vous blâmer, parce que le peuple de Dieu ne comprend pas la véritable nature de l'homme. Et ça, c'est une introduction simple. Et j'espère que vous pourrez comprendre comment votre être fonctionne. Et une fois que vous comprenez cela, alors vous pouvez commencer à vous confronter vous-même. Et quand vous faites quelque chose de mauvais et que là vous pouvez réaliser pourquoi vous avez mal agi. Pourquoi vous avez mal agi? Parce que là, vous avez choisi de mal agir. Mais dans une congrégation telle que celle-ci, je sais que beaucoup de personnes ne croient pas en ce que je dis, même si on a fait 3 heures de présentation, parce que c'est tellement ancré en nous, cette fausse image de la nature de l'homme. Et je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne sont pas en accord avec ce que je suis en train d'enseigner. On continue ensuite à dire. Alors, vous exercez... votre volonté. Et voici le contraste. Vous ne pouvez pas changer votre cœur. C'est ça les puissances inférieures. Vous ne pouvez pas changer votre cœur. La volonté peut prendre sa bonne place. Qu'est-ce que la volonté dit à votre œil? Ne regarde pas, détourne-toi. On a suffisamment de puissance de le faire, mais ma volonté n'a pas la puissance de dire arrête de manger ces choses que tu ne devrais pas.
Vous ne pouvez pas changer votre cœur. Vous ne pouvez pas donner à Dieu ses affections. Vous êtes d'accord avec ça? Vous ne pouvez pas de vous-même donner à Dieu ses affections, mais vous pouvez choisir de le servir. Si vous posez la question à la plupart des soldats, s'ils sont heureux, la majorité d'entre eux ne sont pas heureux parce qu'ils sont forcés de s'habiller d'une certaine façon, de sont forcés de manger d'une certaine chose. Ils doivent se lever à une certaine heure. La majorité des adventistes ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas été changé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons choisi de servir Dieu. Nous avons choisi de servir, choisi de servir un Dieu que nous n'aimons pas. Pourquoi on ne l'aime pas? Est-ce que vous voulez l'aimer? Qui veut aimer Dieu? Alors pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce qu'on ne peut pas changer notre cœur. Est-ce que vous pouvez voir cela? On a choisi, on peut choisir de lui obéir, mais on ne peut pas choisir de l'aimer. On peut lui donner notre volonté. Et alors? Il va faire en sorte que nous faisons selon son bon plaisir. Toutes ces informations-là, c'est son bon plaisir. Et plus que cela, il va faire. Ainsi, toute votre nature sera placée sous le contrôle de l'Esprit de Christ. Vos affections seront centrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec lui. On a déjà dépassé le temps encore. On va faire un résumé de ce qu'on a dit. La nature de l'homme est triple. Elle se combine en deux parties, les puissances supérieures et inférieures. Les puissances supérieures étant deux sections, mentale, morale, et les puissances inférieures, c'est le physique. J'ai déjà dit que là, c'est le cœur, les puissances inférieures. Et ensuite, on a le cœur et l'esprit. C'est des termes avec lesquels on est familier. Et ensuite, nous avons la volonté. Et la volonté, c'est la force, véritable force qui gouverne le corps. C'est à nous, c'est pas un don. Ça nous a été donné à la création. Il y a une complexité dans ces choses. Parce que quand Adam a péché, il a été en captivité à Satan, mais Dieu, à raison de l'évangile, leur a donné de nouveau à Adam et Ève leur volonté. C'est ça l'évangile. Afin qu'ils puissent de nouveau choisir. Nous avons la capacité de prendre toutes les décisions qu'on veut. Mais nous sommes trompés parce qu'on est esclaves du doute. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est la véritable force de la volonté. On choisit de servir Dieu, mais on ne peut pas lui donner notre affection parce qu'il faut que Dieu change notre cœur. Vous avez entendu la tension entre la foi et les œuvres. Vous avez compris entre la partie de Dieu là, et notre partie à faire. Ce que ce modèle nous enseigne, c'est que notre partie, c'est de faire le bien. Oui, hein? Mais dans la force de qui? Notre propre force. Vous pouvez faire ce qui est bien dans votre propre force, mais le problème, vous ne pouvez pas aimer Dieu en raison des puissances inférieures. Dessinons-le de cette façon. Faire le bien. C'est l'ancienne alliance. Les scribes et les pharisiens, est-ce qu'ils ont bien fait? Ils ont gardé toute la loi parfaitement. Tout était juste. Ça, c'est l'ancienne alliance. Comment avons-nous décrit la nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance, c'est de faire bien. Alors, la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est aimer,
aimer faire ce qui est bien. La différence entre la nouvelle et l'ancienne, c'est qu'il y a l'ivraie et le bon grain. Les vierges folles et sages, il y en a quelqu'un qui fait du bien et l'autre aime faire ce qui est bien. Et cette condition de l'ancienne alliance, nous l'avons lu dans Galates 4, c'est la condition de l'Église. Et quand ces adventistes ils viennent dans ce mouvement, dans cette condition de l'ancienne alliance, alors comment Paul les appelle-t-il? Il a deux mots, il en a même inventé un, c'est pas un vrai mot. Vous avez ces personnes adventistes de l'Église qui sont sous l'ancienne alliance. Et là, c'est la conférence générale, en fin de compte. Ils sont dans l'ancienne alliance. Dieu les appelle à sortir à la repentance et de rentrer dans la nouvelle alliance qui est la ligne de réforme. C'est le message que nous avons pour avoir une église prête et préparée. Le message prépare la voie avant que le messager de l'alliance arrive. Il va vous donner cette nouvelle alliance. Mais il y a certaines personnes qui n'entrent pas dans la nouvelle alliance parce que c'est un ennemi qui fait ça. Parce que... Maintenant, j'ai oublié ma question. Donc, ils viennent. Ils sont dans la même condition que celle quand ils étaient à l'église. Il n'y a aucun changement. Alors, comment Paul appelle ces personnes qui rentrent dans le mouvement? Il y a deux noms sympathiques pour eux. Donc, concision, je ne sais pas c'est quoi. Et l'autre, c'est... Il dit que ce sont des chiens. Pour vous, les ivrés, vous êtes des chiens. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Mais c'est de cette façon que Paul les appelle. Et on veut comprendre pourquoi Paul utilise ce mot « concision ». Ça ressemble à la circoncision, n'est-ce pas? C'est un jeu de mots. Hein. Nos prochaines présentations, on va voir si on peut arriver à ce point. Donc, j'ai quasiment fini avec la nature de l'homme. Ce que je veux vraiment que vous compreniez la véritable force de la volonté. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il reste encore 6 jours. Donc, on est là encore durant 6 jours pour cette sainte convocation. Faites un engagement que vous allez commencer à exercer la vérité, la véritable force de la volonté. On parlait des vicissitudes de la vie, des tribulations de la vie. Ellen White a une bonne citation qui dit: voici toutes vos difficultés dans la vie. Elle dit, vous pouvez vous débarrasser d'une partie. Qui veut se débarrasser d'une partie, de la moitié de leurs problèmes? Tout le monde, n'est-ce pas? Elle dit, c'est facile de se débarrasser de la moitié de nos problèmes. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Elle dit d'être gentil et de traiter les gens avec bonté. Et cela va enlever la moitié du problème. Et l'autre problème, votre travail, la société, des choses que vous ne pouvez pas contrôler, ça vient à vous. Mais la moitié sont fabriquées par nous-mêmes. Donc, nous pouvons deux fois plus joyeux à partir de ce moment si nous suivons les règles qui ont été posées là.
Alors que nous allons prier, j'aimerais que sérieusement, que nous fassions un engagement, que nous prenons ce qui est au tableau comme vérité, que nous allons nous engager à exercer notre volonté parce que nous savons ce qui est juste à faire. Et nous sommes tous des membres qui ont signé pour ce mouvement et nous savons ce qui est juste et ce qui est faux. Nous comprenons les 10 commandements, nous comprenons la règle d'or, comment traiter les autres. Et je ne dis pas d'aimer à faire cela. Que m'importe si vous n'aimez pas le faire, ce que je suis en train de dire, faites-le. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. Et si vous ne l'aimez pas, alors allez vers Dieu et demandez-lui de changer votre cœur. Et c'est ce dont on va parler dans la prochaine présentation. Et j'aimerais ajouter une chose. Dans ce camp, vendredi, sabbat, aujourd'hui, si vous n'avez pas exercé votre volonté par rapport à ce que vous connaissez, qui est bon, donc dans la grâce de Dieu, donc on ne. Mais en fin de compte, on ne va pas vous réprimander parce que vous ne connaissez pas la vérité, vous étiez ignorant. Mais maintenant, vous étiez sous l'ancienne alliance. En fin de compte, dans les mots de Paul, vous êtes une concision, vous êtes un chien, vous êtes un ivraie. Alors, prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, ta grâce. Nous te prions d'être avec nous, de guider nos pensées et aussi que tu puisses entrer dans notre cœur et changer notre cœur. Aide-nous à comprendre la véritable force de la volonté. Aide-nous à étudier ta parole, particulièrement la nature que nous puissions comprendre et le mettre en pratique. Peut-être qu'individuellement, nous ne réalisons même pas la raison pour laquelle nous sommes ici, mais nous savons que tu nous as appelés pour un but. Et si nous n'avons pas exercé notre volonté durant notre vie passée, quelle que soit la raison, peut-être nous avons choisi de ne pas le faire. Peut-être nous ne l'avons pas compris. Peut-être nous sommes esclaves du doute. Mais maintenant, aide-nous à croire que nous puissions faire ce qui est bien. Aide-nous en ce moment à faire de ce camp comme le ciel. Et même si nous ne prenons pas plaisir à le faire, que chacun... Que nous ne puissions pas nous forcer, mais que nous puissions nous présenter à toi à genoux en te demandant de changer notre cœur. Libère notre volonté pour pratiquer ce que tu veux que nous pratiquons et avoir du plaisir à le pratiquer. Sois avec nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen.